Alors, notre projet, c'était d'organiser le tournoi qu'on fait tous les 2 ans, Tigali, qui est un tournoi international qui accueille 1200 sportifs, avec une ambition zéro déchet, et donc de s'approcher au maximum de la neutralité carbone sur cet événement. Alors, entre bien d'autres choses, on a mis en place le tri des déchets sur tous les sites. Également fait appel aux dames de la cantine pour organiser les repas de tous les sportifs, donc des repas livrés en vélo dans de la vaisselle réutilisable et sans viande. Et côté sport, on a fait des médailles et coupes en bois cette année, et on a également organisé la revalorisation des déchets sportifs comme par exemple les volants de badminton. Les prochaines étapes du projet, c'est un Tigali x10, puisque Tigali était un test pour un tournoi beaucoup plus grand, les Eurogames de 2025. On a été choisi face à Londres et face à Vienne en Autriche pour recevoir un tournoi international, toujours dans cette logique de diversité et avec une dimension environnementale très très forte. J'ai trouvé le jury à l'écoute, sensible au sujet d'environnement, au sujet sociétaux, et c'était un jury bienveillant. Mon conseil, c'est d'être préparé et d'apporter des éléments concrets pour expliquer pourquoi on a besoin du prix. Et puis mon conseil avant tout, c'est soyez vous-même, soyez vrai. Cinq mots, Boost, c'est un coup de pouce de l'entreprise pour nos collaborateurs ou nos pros engagés, engagés dans des projets environnementaux ou liés à la diversité, et un coup de pouce très utile.